Bonjour Sacré Féminin, voici une guidance pour toi. Alors, si tu te poses la question de savoir si une guidance pour Sacré Masculin est pour toi si tu es une femme, puisque la question m'a été posée, eh bien, normalement elles sont pour les hommes, mais effectivement, elle peut très bien être pour toi, puisque nous avons, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une polarité masculine, une polarité féminine, et notre chemin de vie permet en tout cas, j'espère pour beaucoup d'entre nous, d'équilibrer le masculin et le féminin en nous. C'est tout un chemin. Donc oui, les guidances du masculin si t'es une femme peuvent te parler, les guidances pour le féminin si t'es un homme peuvent te parler aussi également. Allez, on y va avec donc le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Si tu connais pas la chaîne, je suis une grande passionnée par ce jeu. Je l'utilise depuis que je suis à la sortie de l'adolescence. Ça fait très longtemps maintenant. Et donc, nous allons voir l'histoire qu'il nous raconte. J'ai en effet une formation, ce jeu est très complexe, et tu peux la découvrir en cliquant dans le lien bleu, sur le lien bleu, dans la description sous la vidéo. Allez. Alors j'ai toujours une hantise quand je fais une vidéo, c'est que le jeu ne veuille pas parler. Ouais, parce que le jeu, des fois, il se tait, il n'a pas envie de parler, donc faut pas forcer. Et dans ce cas-là, bah, tu y reviens le lendemain. Voilà. Des fois, les énergies, elles sont pas là, faut pas s'acharner, et donc, faut laisser les choses. Bon, là, je sais pas si c'est le temps. Ce temps très estival que nous avons en ce moment, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a quelque chose ici qui se fait pas. Peut-être que le moral n'est pas au beau fixe là pour le sacré féminin. Hein, c'est une guidance générale, hein, pas personnelle. Mais j'ai certains sacrés féminins qui sont pas, qui ont peut-être une petite baisse. Bon, ça nous parle de chagrin au centre, de tristesse. Bon, moi, ce que je vois, c'est plutôt un coup de blues. Hein. Une baisse de morale. Voilà, il peut y avoir aussi une certaine nostalgie. Peut-être des moments, on voit qu'on a une figure masculine là à côté du sacré féminin qui est donc au centre, là on a le passé, là on a le futur, on a notre roi de trèfle. Bah, peut-être qu'elle pense justement à un homme, à son autre. Et lui on voit qu'il avance bien hein, par contre, hein. On voit que il s'envole, hein, ça y est, hein, les difficultés, les obstacles pour lui là sont complètement... Sont derrière, il les a dépassés, ça y est, hein, ça avance. Et peut-être que Sacré Féminin attend et ne voit rien venir. Et du coup, il y a peut-être un peu de nostalgie, un coup de mou. Bah oui, on ne voit rien venir parce qu'on voit qu'ici, il y a une envie que les choses bougent, un mouvement, déplacement. Un voyage aussi peut-être avec le bateau, hein, d'accord, il peut y avoir un déménagement près de l'eau aussi également, ou un voyage sur l'eau ou au bord de l'eau. On voit que là pour le moment ça se fait pas, peut-être que justement ça devait se faire et que ça s'est pas fait, que le sacré féminin là est un petit peu triste en fait, hein. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. On voit que les choses sont un peu lentes là en ce moment, mais moi je trouve que oui, au niveau des énergies, bah, c'est un peu... Aujourd'hui, je trouvais que c'était un peu lourd, un peu... Je ne sais pas si c'est le ciel gris, là, qui est assez bas. Peut-être. On a Vénus, on a le talisman de Vénus. Donc, il n'y a pas de souci majeur. Hein, y a vraiment une belle protection sur l'amour, là, avec le talisman de Vénus. Hein, sacré féminin. On voit que ça nous parle quand même de ça, là. Talisman de Vénus, le roi de trèfle. Bon. Là, autant des fois, on voit un petit peu tout dans tous les domaines de vie, autant là, on voit bien que quand même, il est quand même question du domaine sentimental, hein, ici, hein, quand même, hein, soyons très clairs sur la question. Oui. Notre talisman de Vénus, ici, on voit qu'il y a une notion quand même de... Peut-être de désespoir, c'est pour ça qu'on le retrouve ici, de désespoir sur cette situation, sur une situation, que ce soit une situation sentimentale, mais aussi on voit en règle générale quelque chose qui ne se fait pas, peut-être un projet. On va voir par la suite, mais moi j'ai cette notion de patience en fait. Peut-être que Sacré Féminin perd patience.
Mais non, ne sois pas dans le désespoir. Il y a une notion de désespoir là. Non, ne sois pas dans le désespoir. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais revenir hein, sur les cartes. En plus, quand on a Caput Draconis, ici c'est le mois d'août, hein. Ce sont les efforts des hommes qui tendent vers le haut. C'est une action qui est lente, mais qui est constructive et qui amène l'harmonie. Donc oui, c'est lent, mais on est dans une action qui est quand même régulière. Hein. Les choses vont arriver, c'est lent, mais c'est régulier. Ah, mais pourquoi elle va pas bien? Attention, attention, il y a peut-être du tri à faire. Dans l'entourage, il y a du tri à faire dans l'entourage là. Attention à ne pas te faire manger ton énergie, voler ton énergie par des personnes énergétivores, par des vampires énergétiques. Là, on a la reine des voleurs. La reine des voleurs, c'est quand même des choses qui se situent dans l'ombre, des choses qui sont cachées, hein, des attaques de l'ombre. Qui se situe dans l'ombre là, hein. Donc il peut y avoir du vol, il pourrait y avoir de la tromperie aussi également, de la part d'une personne qui est pas très bien, qui est mal intentionnée. Hein. Donc quand tu dis ok, il y a des difficultés, mais t'inquiète pas, espérance, hein. Ne sois pas dans le désespoir. La constellation du renard, parce que c'est elle qui nous intéresse, puisque je la prends en conclusion là du jeu, d'accord. Là, ce qui va m'intéresser, c'est le sujet central. Donc on voit vraiment un chagrin, une tristesse, un désespoir, mais ça va pas durer. Ne te laisse pas envahir par ce sentiment-là. Et là, les deux petits sujets. Donc on est en train de te dire, il y a quelqu'un qui arrive ici. Voilà, il y a quelque chose de bon ici aussi qui arrive au niveau de la situation. C'est peut-être bloqué, mais t'inquiète pas, ça va. Quand on voit ici, t'es encore en fait dans certaines difficultés, mais t'inquiète pas. Les difficultés vont être derrière, hein. Les blocages vont être dépassés. Et peut-être aussi que ça dure trop longtemps que t'es fatigué. Et du coup, quand on est fatigué, quand on va pas bien, eh bien, on amplifie un petit peu ce qui est négatif. Moi, c'est plutôt ce que je ressens là, hein, dans le jeu. Hein. Et tu vois, ça me semble juste dans le ressenti que j'ai, parce que ici, la constellation du renard qu'on regarde en conclusion, en synthèse, eh bien, elle nous dit que oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des soucis, il y a des tracas, mais on te parle d'espérance ici. Tu peux avoir espérance. Et puis en plus, si je veux voir un peu l'ensemble florage, ici on nous parle quand même, on nous dit que tu es quand même protégé, hein. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, mais attention, la lettre X peut nous parler d'illusion aussi, donc attention aux illusions, hein. Peut-être que l'illusion, ça peut être le fait d'attendre une situation, là par exemple, un changement de vie, hein, quelque chose, un déménagement, un voyage, vraiment quelque chose qui va bouger, et puis en fait, ça, on le voulait maintenant, et ça c'est une illusion parce que tout arrive au bon moment, et en fait ça se fait pas. Et peut-être que ces ombres-là, ça, c'est peut-être ton ombre à toi aussi. Ça peut être une personne, hein, une situation qui n'est pas très saine, mais ça peut être aussi ce... Nous sommes souvent notre propre ennemi, hein. Nos parts d'ombre, ici, la reine des voleurs, ça peut être nos parts d'ombre aussi qui nous sabotent, en fait, hein. Cette petite voix là du saboteur qui finalement te met dans un état d'esprit de désespoir, de tristesse. Ne regarde pas les apparences, reviens en toi, reviens dans tes ressentis. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on nous parle de difficultés mais d'espérance ici, d'accord? Mais, avec notre constellation, mais aussi on a une très belle figure géomantique sur cette reine des voleurs, qui est pourtant une carte vraiment qui nous parle de blessures, d'attaques dans l'ombre. Donc oui, il faut faire attention. Elle amène à la prudence quand même, hein, cette reine des voleurs. Néanmoins, que je me trompe pas, normalement c'est acquisitio. Non, c'est pas acquisition. Enfin, je les confonds toujours, ces deux-là, c'est conjonction. Conjonction, c'est une carte qui est vraiment positive. C'est une carte qui va en plus harmoniser toutes les autres figures géomantiques. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de figure géomantique qui ne soit pas positive. Parce que là, on a Caput Draconis et elle est positive aussi. Par contre, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que c'est en ce moment, ça se passe en ce moment. Parce que là,
Conjonctio, c'est le mois d'août. Caput Draconis, c'est aussi le mois d'août, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment les choses qui se passent en ce moment. Là, on a vraiment sacré féminin. Ici, en ce moment, on a de l'aide ici. Hein, il y a l'aide d'un homme, là. Donc, peut-être qu'il est loin, mais les choses sont vraiment en train d'évoluer pour lui. Toi, tu vois peut-être pas les choses arriver, mais en fait, ça se passe. Voilà. Mais attention à ton énergie, parce que pour moi, au niveau énergétique, là, faut faire attention. Il est possible qu'on te prenne ton énergie. Attention à ça. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est conjonction, tu sais quoi, une analogie avec le mariage. Hein, voilà. Et en tout cas, ça nous parle comme Caput Draconis, ça nous parle d'une action qui apporte l'harmonie aussi, qui est lente mais qui va être constante. Hein? C'est lent mais constant pour conjonction. Là aussi, également, Caput Draconis, c'est une construction qui est lente aussi également. Hein? Mais c'est aussi pour quelque chose de constructif. C'est lent mais c'est constructif. Et on te ramène de la constance avec conjonction aussi. Donc voilà, courage, patience, tu vas y arriver. Les choses, elles vont finir par se faire, quel que soit le domaine, même si on voit que là, tout de suite, pour le moment, ça y est pas. Mais il y a peut-être un petit nettoyage là à faire aussi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui bloque. Fais un petit tri peut-être autour de toi. Attention qui tu vas voir, si tu vas voir des thérapeutes, reviens toujours à ton ressenti, ne donne pas ton pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Voilà, un accompagnant, il est là pour t'accompagner, justement. Mais à partir du moment où tu vois que tu lui laisses tes décisions, eh bien là, il y a un souci, ça veut dire que tu lui donnes ton pouvoir personnel. Essaie de voir comment un petit peu la personne ou les personnes réagissent par rapport à toi et de voir dans le sens de ressentir, parce que ce que tu ressens est juste, tu ne peux pas te tromper avec ce que tu ressens au fond, fais-toi confiance, fais confiance à ce que tu ressens, vraiment. Parce que là, il y a quelque chose qui bloque un peu, alors que... Il n'y a pas lieu, mais c'est pas grave. Tu vas t'en dégager, on te dit difficulté, mais espérance. Donc ça va être derrière. Hein? N'hésite pas à te nettoyer. Si par exemple toi-même t'es thérapeute, tu fais des soins énergétiquement, à te nettoyer, à te dégager. Voilà, puis à te protéger, hein, que vraiment que les choses viennent d'en haut, hein, de la source, hein, pas d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre là? Oui, je voulais aller voir mon roi de trèfle, revenir sur mon roi de trèfle, mon petit sujet là. On voit que là, on veut quelque chose et qu'on fait naufrage, ça ne se fait pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Le départ se fera quand même. Le changement se fera quand même, même s'il il va être ralenti, mais il va se faire quand même. Tiens bon. J'ai des résistes, non, c'est pas résiste, c'est vraiment tiens bon. Tiens bon, parce que on est quand même sur un changement de toute façon avec cette carte du 9 de carreau. Le 9, c'est qu'on arrive à la fin d'une situation, à la fin de quelque chose, donc le nouveau va arriver. Donc ne te laisse pas manger. J'ai vraiment cette notion là, je suis désolée, mais c'est vraiment ça que j'ai cette sensation. Comme ça, que ouais, il y a quelque chose d'énergétivore là. Protège tes énergies. Je reviens donc avec mon roi de trèfle. Et parce que quand même, c'est notre carte aussi positive. Je te disais qu'ici on avait les roches de Siané qui représentent le danger et qui sont derrière. D'accord? Elles sont derrière toi. Le plus dur, en fait, tu l'as dépassé. D'accord ? Donc, c'est comme si tu faisais les 5 derniers centimètres, là. Donc, courage. Vraiment, courage. Fais confiance. Parce que, alors déjà, dans le domaine affectif, on voit bien qu'il y a des inquiétudes. Hein, mais tout ça, ce sera derrière. Parce qu'il va y avoir vraiment un changement. Et les choses, elles seront claires en amour. Hein, donc, il y aura peut-être plus de... La sacré féminin sera certainement plus rassurée. Tu as peut-être besoin d'être rassurée en ce moment.
Et puis, dans le domaine professionnel aussi, il y a encore cette notion de sécurité. Et il y a des engagements qui vont pouvoir se prendre et qui ne pouvaient pas se prendre pour le moment. Peut-être qu'aussi au niveau professionnel, c'est ça. C'est que y a peut-être, tu comptais peut-être sur quelque chose et finalement, ça ne se fait pas. Mais on te dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va finir par se faire. En fait, il y a quelque chose... on te parlait d'une action qui était lente mais constructive. Il y a cette notion vraiment, si tu veux, de... Bon, déjà, il y a une notion de volonté de bien analyser les choses avec la lettre G ici. Mais il y a cette notion de construction aussi. On l'a vu, hein, c'est une action lente, mais constante et constructive. Et en fait, il s'agit vraiment de ça, là. Hein, au niveau professionnel, c'est ça. Donc ça, ça apporte, en fait, t'es en train de... Tu le vois pas parce que t'as l'impression que tout est mouvant, tout est tangent. Mais finalement, t'es en train de d'installer une nouvelle stabilité. Sauf que ce n'est pas du tout... avec tes repères habituels. Et t'as l'impression peut-être que c'est complètement instable. Et c'est l'inconnu total aussi. Mais n'empêche qu'il y a une nouvelle stabilité qui va arriver. On voit que le roi de trèfle, il apporte des conseils et des bons conseils. Hein. Il est bienveillant aussi. Donc, grâce à ces conseils-là, justement, et à la mise en application de ces conseils, eh bien, il y aura une satisfaction dans le domaine professionnel aussi. Et du coup, matériel. Également. Hein? Donc, il y a malgré tout, t'inquiète pas, ça traîne peut-être, mais tu vas finir par y arriver. On te dit qu'on te parle bien des difficultés ici, avec la constellation ici de la Reine des Voleurs, mais qu'il y a espérance. Donc ne désespère pas, comme on a pu le voir avec cette carte du 9 de pique. Là, alors, tu vois, on a beaucoup de 9. C'est intéressant, hein, on a beaucoup de 9. Donc là, on a 9 et 10. Hein, faut savoir que tu es vraiment à la fin d'un cycle et tu vas débuter quelque chose de nouveau. Donc tu as vraiment, garde les espérances pour ce qui vient en fait. Même si on voit qu'avec les piques, il y a des difficultés. Voilà. Mais avec le 9, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le changement est favorisé. Il y a quelque chose de constructif qui arrive aussi. Hein. C'est la fin d'une situation, mais ça va être le début d'une autre. Et du coup, bah, 9, c'est aussi le temps d'une grossesse. Et à la fin de la grossesse, on a quoi ? On a l'accouchement. Et bah, l'accouchement, avec tous les efforts que cela demande, tu vois. Mais après... Une fois que l'accouchement est passé, c'est un vrai bonheur. Il y a la difficulté et après il y a le soulagement, la délivrance et le bonheur. Ben, c'est exactement ça, on a quelque chose de tout, on a deux neufs, c'est très symbolique en fait. Hein. Alors, voyons voir. Avec les cartes mystiques de Marie-Madeleine. En ce moment, je suis dessus. Hein. Il y aura d'autres périodes et tu l'as dû voir où je change carrément de carte. Bon, je garde toujours le Grand Jeu Mademoiselle Lenormand très souvent. Je prends d'autres oracles. J'aime bien t'en présenter d'autres aussi. Tiens, regarde ce qui est sorti, c'est intéressant. Regarde. Ça, c'est la montagne. La montagne à escalader. Tu vois les obstacles qui sont ici, là. Voilà, les pierres. Mais n'empêche que regarde derrière. Il y a la lumière, hein, d'accord ? Derrière la montagne, il y a la lumière. Donc, il faut arriver au sommet, il y a des obstacles, mais la lumière est derrière. En fait, c'est regarde la lumière au bout du tunnel. En gros, c'est ça. Hein. Si ça te parle, au lieu de regarder le tunnel dans lequel peut-être tu te sens en ce moment, en fait, regarde bien que la lumière, elle est au bout. Donc, garde le cap, le focus sur la lumière. C'est ça, hein, que ça veut dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le perçois, là. On a le nombre 21 là. Ça parlera à certaines personnes. Ouais. Je comprends pourquoi ça a du mal à sortir aujourd'hui. C'est vraiment non, ne sombre pas dans le désespoir. Voilà. J'en ai une autre là, donc on va la mettre en garde. Construction, c'est lent, mais c'est constant. Et c'est pour des bases solides.
ça, ce sera notre carte de synthèse. Les bases solides, c'est quoi? Regarde la maison, elle a de solides fondations. C'est une grande maison, c'est une grande villa. Elle est solide et s'élève vraiment vers le haut. Pourquoi? Parce que elle a construit des bases solides en bas. Ça, c'est le foyer aussi. Donc oui, il y a des choses qui sont compliquées. Peut-être que tu vas découvrir des choses pas agréables. On parlait de tromperie et de vol ici. Donc, tu vas peut-être, moi je pense, avoir plus de clarté sur les intentions d'une personne ou de plusieurs personnes. Hein, c'est ça, parce que ça, c'est le secret aussi. Et te rendre compte que, bah, justement, cela bloquait ton chemin, mettait des pierres sur ton chemin. Et une fois que ça s'est révélé, hein, parce que le secret, là, ça veut dire que tu vas en avoir connaissance. Et en plus, regarde, tu as deux bougies, là. Tu vois les cierges? Deux bougies. Eh bien, là, après, hop, voilà la stabilité. Elle est là, avec cette maison-là. Le foyer, la construction, ce que tu souhaites. Donc, on rejoint ici le bateau, là, les argonautes, dans le sens où le projet, il se fera, il finira par se faire. 4, hein, c'est intéressant, regarde. 4, chemin de vie qui est lent, mais constructif et qui permet justement d'installer quelque chose de durable et de stable. C'est lent, mais c'est constant. C'est lent, mais c'est régulier. Et c'est pour justement le bonheur, l'harmonie et pour vraiment construire des bases solides pour le futur. Et c'est ça qui t'attend pour le futur. En plus, on a un beau pont là. Tu vois? Donc, il n'y a pas de souci majeur. Et si j'en prends une autre juste à côté? Allez, juste une, en espérant que j'en ai pas deux qui sortent. Juste une. Mais c'est intéressant parce que depuis le début, on parle avec conjonction et caput draconis d'un chemin qui est lent, mais qui est régulier, qui est constant, justement pour une construction pour plus d'harmonie, de stabilité, de sécurité. Et là, on tombe carrément sur chemin de vie 4, là, on a le 4 là, 4 là, et donc notre villa très solide, avec des fondations vraiment... des fondations très solides. Et en fait, c'est une villa qui a un certain nombre d'années. Hein. Elle est ancienne et elle tient toujours debout, c'est ça. Donc, c'est vraiment le temps, cette notion de temps aussi qu'on a pour construire les choses, pour construire ce qui est pour nous et qui, par la suite, dans le futur, justement, apportera la stabilité et la sécurité. Voilà. Mais tu peux déjà... La sécurité, elle est déjà en toi, en fait. Tu peux déjà la sentir, te sentir déjà rassuré, faire confiance, en fait. C'est ça, c'est avoir la foi. Ben voilà, tu es là. On ne pouvait pas faire mieux. Il s'agit bien de toi, sacré féminin. C'est toi. Mais aussi, on te demande ici, avec cette femme, d'écouter ton intuition. Ça, c'est très fort avec... C'est la carte de la dame. Tu vois, on l'a deux fois. Voilà, la femme. Attends, pardon, ici. Hop, la femme. Qui ressemble fortement à Vénus aussi. Hein? Et on l'avait, Vénus, ici, en bas. Je te l'approche. Tu vois? Donc, quand même, c'est assez... Ça n'est pas rien. Là, il s'agit de toi. Tu es vraiment en bonne voie. Mais n'oublie pas... C'est lent, mais c'est régulier. C'est lent, mais c'est constant. C'est lent, c'est pour du solide derrière. Et du durable. Hein? C'est la prospérité, la maison. Hein? Donc, en plus, elle est juste à côté de toi. Donc, on te dit que même si tu es dans une situation difficile, de toute façon, tu peux vraiment avoir espoir pour un avenir meilleur et rapproché. Quand on a ces deux cartes comme ça qui sont côte à côte et qui est vraiment la maison, elle est à côté de toi, quoi. Hein? Voilà. Donc... Elle est à côté, elle n'est pas en dessous, elle est vraiment à côté de toi. Elle est bien placée, cette carte numéro 4, à côté du 29. Donc tu peux vraiment espérer le meilleur, comme je te dis, regarder la lumière au bout du tunnel. Tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Hein? Même si la situation actuelle peut être un peu compliquée, tu vas y arriver. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, je pense que j'ai tout dit. Tout est là. Et n'oublie pas, ça se construit là en ce moment. Tu as peut-être l'impression que c'est lent, que ça met trop de temps.
Ça te demande de la volonté, hein, ça c'est sûr. Mais avec voilà, nos deux figures géomantiques là qui se répètent, notre maison, le chemin de vie 4 sur cette carte de la maison qu'on trouve ici, c'est lent mais ça se fait. Voilà, c'est vrai que des fois ben, on perd patience, mais n'empêche que c'est plus très long. On perd patience, c'est comme un marathon en fait, hein. C'est-à-dire qu'à la fin du marathon, t'en peux plus quoi. Il reste les 5 derniers centimètres, il faut que tu t'arraches pour aller pour les personnes qui ont fait de la course à pied ou même de la natation, hein, des sports comme ça. Je pense que ça peut vous parler. Mais là, très clairement, d'abord, tu peux avoir de nouvelles certitudes avec la gloire de Frédéric ici, j'en avais pas parlé tout à l'heure. Écoute bien les conseils, hein. Écoute bien, parce que ça va vraiment t'aider. Caput Draconis, ça t'aide aussi hein, dans tes actions. Donc, non, vraiment, il y a une bonne étoile avec toi, il y a une belle protection, ta Vénus qui te protège. Ça va aller. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. Et n'oublie pas, si tu as des projets, c'est pas parce que ça se fait pas maintenant, là, que ça se fera pas. Attends, il y a un temps pour chaque chose, n'oublie pas. C'est lent, c'est régulier et c'est constant. Même si c'est lent, c'est régulier, c'est constant. Merci à toi.